Et bonjour tout le monde et bienvenue dans ce replay secret. Je rigole encore du replay secret d'avant avec les dragons blancs de bleu. Je les enregistre à la chaîne là. Allez. Cette fois donc complètement différent. Je joue labyrinthe. On commence en premier tranquillement. On va faire nos plans labyrinthe. Hein. Tout se passe bien. Il y a rien de spécial. Hein. On va tout poser. Voilà. On va bannir le blackjack. On va poser le terrain. On va faire blackjack. Blackjack. On va recycler nos trucs et on va poser notre main et puis on est bon. Et en face, on se tape. Alors, Blackjack, du coup, je le bannis. Et du coup, j'ai une piège. Voilà, je la pose. Elle peut être activée pendant ce tour-là. Hein, c'est ça qui est incroyable. Et en face, on a. Bah, c'était un match miroir, je crois. Oui, voilà, c'est ça. C'est un match miroir. Il y a tellement de replay secret que des fois, j'oublie un peu lequel et quoi, quoi. Alors, du coup, j'invoque spécialement le boss monster. Du coup, en résolution bonus, je pète une carte. Il a quand même eu sa tuto. Je vais recycler une piège. Je vais lui péter une carte dans sa main. Je vais aller piocher un. Lui, il va se récupérer en main. Et on, voilà, là, on est bon. Allez, toi, tu reviens en main. Toi, tu draw. Et d'ailleurs, je vais poser directement la piège. Et toi, on détruit. Boum. Et du coup, les pièges sont de nouveau destructibles. Donc, on va péter un hommage torrentiel. Et après, on peut mettre Blackjack dans notre cimetière. Et on peut spé un démon depuis notre main au cimetière. Main au cimetière. Voilà, on va spé ça. Et ouais, c'était le tour adverse. Hein. J'ai l'impression que c'était mon tour, mais c'était le tour adverse. Voilà, très bon draw. De toute façon, on l'a un peu décidé avec le Blackjack. On va recycler une piège. Il me fait Sentence Dogmatica, c'est un peu chiant. Mais du coup, la cible, je la renvoie en main. Du coup, Dogmatica passe pas. Donc, il va même pas pouvoir envoyer une test au cimetière. Il appuie sur les boutons. Il appuie sur les boutons. Il appuie sur les boutons. Non mais en vrai ça a du sens. En vrai ça a du sens parce que tu spais d'abord le boss monster. Et quand il est sur le terrain, t'as un truc qui est renvoyé via un effet de piège. Donc ça va trigger l'effet du boss monster. Donc en vrai je suis médisant, ça a du sens. Mais bon bref, on appuie sur les boutons, vas-y fais péter. Donc en résolution on peut péter ça. Un autre hommage torrentiel, oh putain Dieu merci. Boss monster, renvoie en main, renvoie en pas main, du coup Sentence passe dans le vide, du coup moi je vais, c'était à la base un recyclage, à la base je voulais juste ramener ça du cimetière sur le terrain. Ensuite on va pouvoir, oh, c'est pour ça que j'ai eu ce replay, je l'ai gardé, c'est un bordel. Oh c'est un bordel, vas-y fais péter, voilà, chaîne 5 de nouveau, fais péter. Oh là 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 là. Ah ça c'est labyrinthe, hein, c'est un truc de fou. Donc on va poser ça. Ensuite c'est Dogmatica, je pète en envoyant Zeus parce que j'ai pas le choix. Ça il me pète ça mais on s'en fout un peu, c'est trop tard. Mais l'effet du coup il passe pas. Je vais poser Force Miroir Violent. Ensuite je peux draw. Ensuite je remets ça au cimetière depuis le cimetière dans la zone magie piège. Ensuite lui il se récupère en main. Putain mais il y a des chaînes. Oh là 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 là, ça s'arrête jamais. Allez, ça remonte en main, ça revient sur le terrain, ça me fait draw 1, ensuite je peux l'invoquer spécialement, ensuite je nomme, j'active l'effet, je retue tout le terrain parce que j'en joue 2. Ouais, c'est un petit sprint là, hein. Oh là 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 là, voilà, labyrinthe, waouh 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 waouh. Bon voilà, c'est labyrinthe, le match miroir, c'est un bordel, mais c'est super intéressant. Si vous aimez labyrinthe, c'est le replay un peu ultime, je crois. C'est pour ça que je l'ai gardé, hein. C'était incroyable. Donc voilà, j'espère que ça vous aura plu. C'était labyrinthe. Et c'était super. Allez, ciao.